We will march into the night. Let the fear sink in the rise. We will roar our battle cries. The oath we shall carry strong. Rally up the souls and shields. Fight until the blood is spilled. For the honor high decree. The heavens is on our side. We will march into the night. Let the fear sink in the rise. We will roar our battle cries. The oath we shall carry strong. The souls and shields. Fight until the blood is spilled. For the honor high decree. The heavens is on our side. We will march into the night. Sink in the rise. Whoa. We will roar our battle cries. The oath we shall carry strong. Rally up the souls and shields. Whoa. Fight until the blood is spilled. Thank you.
C'est probablement ici qu'a eu lieu une rencontre en 2022, oui, avec un frère de l'espace et une sœur de l'espace, ici, là, sur ce chemin. Ah bon, ben oui, ce qui viennent de la base interdimensionnelle, multidimensionnelle que vous voyez là. Et là, ben, ils marchaient là, sur le chemin, puis ils allaient voir les Rimbaud. Ah bon, mais ils marchent sur le chemin? Ben oui. Ah bon, parce que vous croyez que les êtres de l'espace, ils ont des petites ailes, puis ils flottent au-dessus du sol, c'est ça? Vous avez appris ça où? Dans toutes vos idioties de New Age, c'est ça? C'est là que vous avez appris ça? C'est nul, hein. Renseignez-vous autrement, moi je sais pas. Alors, faut que je vous raconte l'histoire. Oui, ben je vous raconte l'histoire. Donc, en plus, ouais, je vous donne des témoignages. Hein, parce que c'est pas des observations que j'ai fait moi. Oui, je prends des photos, etc. Alors, déjà, on rappelle que par là-bas, au col, au grand col qu'on voit là-bas, sous ma direction, quelqu'un de mon team m'a pris un vaisseau d'évacuation de 300 mètres de diamètre, la taille d'un porte-avions. Et je vous le remets après, vous le reverrez après. Donc ça, c'est une preuve photographique là, en infrarouge, mais enfin, ça prouve qu'ici, il y a des ovnis. On peut utiliser le nouveau nom qui est idiot. Oui, alors l'histoire ici. Alors l'histoire, c'est. Alors, il y a d'autres témoignages. Il y a un témoignage de quelqu'un qui habite en bas à Mijanès et qui élève des troupeaux. Et quand il était ado, avec son père, ils ont vu un énorme cigare entrer dans cette montagne. D'accord? Voilà. Témoin oculaire. D'autres témoins. C'est pas moi qui raconte ça. C'est d'autres témoins. Oui, alors l'histoire ici. Alors l'histoire ici. En allant au rassemblement Rimbaud de 2022, qui se trouvait ici, hein, dans la montagne, un peu plus bas, dans la grande forêt, là, où j'ai pris des vidéos que vous avez vues avant, il y avait des Rimbaud, et les Rimbaud, bien qu'ils soient à 80% avec une formation de l'Inde, et pas tellement des Amérindiens, alors que ça devrait, parce que la prophétie de la tribu Rimbaud, de la nation Rimbaud, c'est une prophétie amérindienne, hein, où les chefs indiens d'Amérique ont dit un beau jour, les enseignements qui nous viennent des nations des étoiles seront donnés et viendront nous rejoindre des gens de tous les continents, de toutes les couleurs de peau, et ça formera la nation Rimbaud. C'est de là que vient l'histoire de la tribu Rimbaud, qu'un Américain, bien sûr, a repris à son compte et a fait son truc à lui pour créer la fameuse tribu Rimbaud, qui était donc ici, ils étaient 6 000, 8 000 en bas là dans la forêt. Alors, vers la fin, je suis allé voir et je rencontre une super dame qui était là et qui connecte avec moi tout de suite. Je te recommande. Ah ouais, moi je suis en contact avec Métatron. Ah ouais, moi c'est acheteur. Ouais, je connais. Alors elle me raconte une histoire là qui s'est passée pendant le Rimbaud de 2022. Ici, là. Donc, il y avait un gars dans la tribu Rimbaud. Il y en a pas mal qui ont des capacités psychiques. Hein. Il y en avait un qui avait la vision totale, c'est-à-dire, on va dire 180 degrés si vous voulez, qui était capable de voir. Eh ben, les êtres de la forêt, les entités, enfin, tout ce que les autres ne pouvaient pas voir, lui, tout ce qui était apparemment invisible, parce que ça se trouve dans une autre dimension, il voyait ça. Alors une fois, il est redescendu à la tribu Rainbow en disant à tout le monde, écoutez, vous savez pas, moi en montant là-haut, hein, dans la grande montagne, là, et bien sûr, sur le chemin, probablement ici, sont passés à côté de moi deux êtres de l'espace, une femme et un homme, qui sont passés à côté de moi
Et moi, je les ai bien vus, ils étaient avec une combinaison comme ils ont dans les vaisseaux, et c'était des êtres magnifiques. Et ils sont passés là, à côté de moi, ici probablement, ici, là, sur cet endroit-là. Voilà, témoignage supplémentaire pour prouver que je raconte pas d'histoire et que nous sommes bien ici dans une zone extraterrestre, messieurs, dames. Bon, là, on arrive chez mes copines les marmottes qui me connaissent. Ah, ben oui, les animaux me connaissent. Si vous allez souvent dans la nature, les animaux vous connaissent. Vous avez bien vu le cheval l'autre jour qui m'a reconnu, qui est venu faire des bisous. Puis vous avez vu ce grand veau, là, le petit bœuf, qui est venu faire un contact très proche, quoi, très bien. Parce qu'il voit vos fréquences, ils voient vos couleurs, les animaux, tous les animaux. Et là, donc, mes copines marmottes, elles me connaissent ici. Hein? Alors, je vais les appeler. Si ça se trouve, elles sont déjà là, puis elles m'ont capté. Et puis, oui, il y en a une qui est là-bas qui m'a capté. Et alors, quand elles me voient, d'habitude, souvent, elles lancent le cri, mais le cri d'alarme, c'est pas le même. Cri d'alarme, c'est quand il y a des touristes, des randonneurs qui viennent. Et moi, j'ai un cri d'alarme qui est différent, qui c'est un cri de reconnaissance. Ah ben oui, le voilà, c'est lui là. Voilà. Allez, on va les appeler. Allez, les marmottes, copines, les copines, petites copines. Allez, venez voir. Roquette. Roquinette, Roquette, c'est la matriarche. Et puis sa fille Roquinette, c'est plutôt elle qui dirige les opérations maintenant, puis qui protège les petits marmottins, les petites marmottines. Je crois qu'elle est là-bas. Allez, montrez-vous, Roquette, Roquinette, bonjour. Je suis revenu, voilà. Ok, ça va, Captain là. Ouais, bah ouais, moi je suis devant la base interdimensionnelle, progéniseuse du vortex, je suis au point de guérison, healing spot. Ah non, c'est rien ça, c'est pas sérieux ça. Et qu'est-ce qu'il y a là, fais voir. Attends, j'ai un truc hein, que je vous montre un peu. Là. Ah ouais! Ah ben ça! C'est la loi universelle du libre arbitre. Eh ben ouais. Que connaît bien l'élite. Oh. Ah oui. Ils connaissent toutes les lois spirituelles et ils connaissent tout ce que vous connaissez. Ouais, toute votre formation ésotérique, New Age et tout, là, de l'Inde, de je sais pas où, là. Ils connaissent tout, l'élite. Hein. Ils mettent en pratique tout ça. C'est comme ça que. Eh bien, ils arrivent à diriger parce qu'ils ont les mêmes outils que vous. Et ils les utilisent pour leurs trucs à eux. Voilà. Capitaine, une nouvelle positive d'Ashtar. Non, mais c'est exprès là, parce que comme je mets le titre, message important d'Ashtar, par exemple. Et tout le monde va sauter dessus. Oulala, il y a un message d'Ashtar. Oh, il faut la regarder ce qu'il dit. Non, parce qu'il va nous expliquer tout ce qui se passe. Et puis, oh, bah, ils vont venir nous sauver. Oh, ben, tout ça, oui, alors il faut y aller voir tout de suite. Comme ça, vous venez voir le message d'Ashtar, hein, et puis vous êtes obligé d'avaler les pilules que je vous donne. Et voilà. Et malin le lynx. Hein, et ouais. Ouais, moi, au pied de la base interdimensionnelle extraterrestre. Moi, je fais le plein d'énergie. Quand on vient ici, on se paye une pêche. Hein. Ah, c'est super bien. Et puis, c'est le plein de lumière dorée. Voyons, il y a une. Qu'est-ce que c'est là? Oh! Ah ben alors. Ah ben mince. Ah ben dis donc.
Ah ben, il y a un loup doré là. Et oui, vous voyez quoi doré? Le loup doré. Il n'a pas l'air content. Et non. Il n'était pas content comme loup. Qu'est-ce qui va pas comme loup? Eh bien, moi, je ne sais pas ce qui va pas comme loup, mais tout le monde est dans la sidération, du mot sidéré. Tout le monde a été sidéré de tout ce qu'on leur a fait depuis 2 ans et tout, même les massacres depuis 5 ans et tout. Alors, c'est la sidération. Et alors, après la sidération, il y a eu le refroidissement. Bon, je crois que c'est le réchauffement planétaire. Non, non, c'est du bidon, ça n'existe pas ça. Non, non, du refroidissement, pour refroidir tout le monde, quoi. Ah non, non, mais il faut plus être chaud, voilà. Et puis après, il y a eu la congélation. Entre deux, et momification. Mais je crois qu'on est passé le stade de la momification. Et moi, je le pense, ça. Ça, je le pense, je vous le dis en vérité, je le pense. On a dépassé le stade de la congélation, c'est-à-dire que tout le monde est congelé. Et que ce soit des vidéos que je fais sur n'importe quel sujet, ça ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de vues sur les réseaux, n'importe quel réseau, même Telegram, ça réagit pas, réagir, réagit pas, agir, réagir. Ah oui, il faut agir, oui. Non, mais ça agit pas du tout, là. Non, 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 c'est pour ça que le loup n'est pas content, là. Le loup doré n'est pas content du tout, là. On ne sait plus quoi faire, voilà, et comme ça. Alors, attendez voir, et on va vous donner votre massage d'acheteur, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas ce que vous croyez non plus, hein. Ah non, c'est pas les messages bidons que vous trouvez en ce moment, hein. On va en recoser de ça. Non, 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 attendez, je vérifie si. Si on a un peu de son correct là. Tiens, le son est bon, on en profite un peu là. Alors, oui, je viens de parler de congélation. Alors, je vais vous donner un truc là, mais attention, hein, ce n'est pas un conseil que je donne à moi. Non, du tout. C'est que, je vous explique, dans l'été abominable que j'ai subi, je ne sais pas pour vous, mais moi c'était abominable. Homme des neiges, non, on n'est pas dans la neige encore. Non. Mais c'était horrible, c'était comme j'ai dit, les flammes d'enfer, les flammes d'enfer. Alors dans les flammes d'enfer, il y a eu plein de choses épouvantables. Y compris, je me suis payé une sciatique grave, que j'ai souffert pendant 3 semaines et tout ça. Et puis tout d'un coup, en allant voir un ancien des gilets, là, ouais, vous savez de quoi on cause. André, là, qui s'occupait du CAPSIR 66, là, Cerdagne. Et à côté de lui, il y avait une plaque, et il y a une plaque marquée guérisseur. Et puis là, il y a donc un Patrice qui est guérisseur. Waouh! Je dis, ouh, André, je vais voir le copain, là, oui, vas-y voir, oui. Alors j'ai été voir Patrice, le guérisseur. Eh bien, il m'a guéri la sciatique en combien de jours? 5 jours. Ouais, il avait dit, tu appelles au bout de 3 jours, ensuite 5 jours, et le 6e jour, sciatique terminée. Fini. Sans plus rien. Ouh là 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 là! Alors, je ne sais pas pourquoi, pendant qu'il me soignait, il m'a dit à la fin, tiens, je vais te donner un truc, parce que j'ai un peu dit qu'on avait des ennuis, du ciblage psycho-bidule et tout ce que vous voulez. Il me dit, je te donne un truc, ok? Attention, hein, ça vient de Patrice, qui est un très bon guérisseur, qui est par là, dans le coin. Et c'est un truc à lui, ça. Hein. Alors, c'est pas de moi, hein. Moi je conseille, c'est un conseil de lui, d'un guérisseur, ok? Il dit, alors quand il y a des gens qui te font des ennuis, qui te cible, etc. Comme par exemple ceux du village qui m'ont fait des plaintes tout le temps parce que je faisais du jardin, parce que j'avais des chats, parce qu'ils divaguaient, parce que je sais plus, plein de trucs. Plainte à la gendarmerie, plainte à ceci, plainte à cela, la mairie et tout le business. Alors, il me dit, quand tu as des gens comme ça qui te font des problèmes, qui te ciblent, quoi. Tu sais ce que tu fais
un conseil d'un guérisseur, hein, d'accord, qui s'appelle Patrice. Tu trouves leurs photos. Ah ben oui, alors moi j'ai trouvé leurs photos là, ben oui, quand ils ont monté leur, acheté leur restaurant là du village, ils étaient dans la presse et j'ai trouvé leurs photos. Alors il me dit, tu prends la photo, tu mets chaque photo dans du papier alu et tu la mets au congélateur. Oh. Oui, et là c'est fini, ils ne peuvent plus rien pour toi, sur toi, ils ne feront plus rien, ils sont congelés. Ah bon? Eh bien voilà, ça c'est une manière positive. C'est pas moi qui vous donne le conseil, hein. Moi je vous dis pas je dis pas de faire des trucs comme ça. Mais c'est l'idée donc d'un guérisseur, et moi je l'ai fait, et depuis il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus rien du tout. Oh ben alors on voulait une idée. Ben oui, c'est, si vous voulez, c'est de la magie blanche, d'accord, qui est contraire à la magie noire, hein, d'accord. Parce que quand des gens ont des mauvaises pensées pour vous, et simplement d'envoyer la pensée, ils font de la magie noire sans le savoir, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Alors, eux, ils font de la magie noire sans le savoir. Bon, de toute façon, ils finiront mal. C'est pas grave, dans l'enfer des archons, tout ce que vous voulez. Alors, la congélation, oui. Alors, dans l'autre sens, c'est ce qu'ils nous font. Ils foutent tout le monde aussi en congélation. Oui, mais Captain, tu crois qu'on pourrait faire ça comme ça sur tous les fins fous là, qui veulent détruire la planète, l'humanité, les arbres, les animaux, les plantes, qui nous enlèvent notre soleil, que les légumes ne poussent plus et qu'on est malade, et que nos animaux sont malades. Et ben, moi, je ne sais pas, mais il faut encore une conscience de masse du 101e singe. Ça ne sert à rien qu'un tout seul le fasse, hein, vous comprenez. Si vous prenez, par exemple, une photo de l'empereur là, français, et que vous mettez cette photo avec un buste en pierre dans sa vie antérieure, quand il s'appelait Macron, et il était préfet de police à Rome sous Caligula. Il avait assassiné l'empereur Tibère pour mettre Caligula à la place, et lui, il dirigeait Rome, voilà. Alors, oui, on peut trouver la photo de ce type, et mettre également la photo du buste en pierre de l'époque de Rome, qui ressemble, c'est la copier-coller, quoi, et dans le coup du papier alu et au congélateur, mais... Moi, je ne pense pas qu'il faille que ce soit une seule personne qui fasse ça. Hein. Il faut être des centaines de milliers à faire ça. Alors, il y aurait peut-être un effet. Enfin, considérant ce type-là, hein, que ce soit le Bill Kill là, qui veut remettre tous les plantes les crobes, les moitiés de crobes, et les picou-picou et tout le business, ou le Klaus et tout ça, ou... Tout cela, oui, mais il faut être des centaines de milliers, des millions à faire le coup du papier alu et du congélateur. Voilà. C'était un truc que je voulais vous donner comme ça, là, en passant. Ok. Bon, allez, on va faire un message d'Ashtar par ici, qui est un très bon coin parce que c'est la trajectoire que les grands vaisseaux y prennent quand ils viennent du col là-bas, le grand vaisseau que vous avez vu dans la vidéo là. C'est le trajet qui passe. Il passe là, comme ça, juste ici, pour aller dans la base qui est là-bas. Voilà. Donc c'est un bon endroit. C'est un endroit de passage de grands vaisseaux. Parfait. Voilà un message que j'avais publié donc dans ma revue Rencontre, après avoir été contacté à l'âge de 33 ans pour envoyer à mission publique. Donc c'est dans cette revue Rencontre de vous voyez la date là, d'accord. Vous voyez la date. C'est un frère de l'espace qui protégeait cette revue. Alors, là, c'est de l'autre côté, hein, voilà, le message. Alors je vais vous donner ce message. Allons-y. Évidemment, on va vous mettre donc le dessin d'Ashtar Sheran, d'Ashtar, hein, dessiné par Amasia, Daniel Leclerc, et c'est elle qui a reçu ce message en PES Solex
Alors je rappelle toujours, hein, ceux qui veulent faire de la télépathie cosmique dont a parlé Georges Adamski, vont me commander les 4 CD audio cours de télépathie PS-Solex, hein, par Corton et Soltec. Alors allons-y, ce message reçu par donc Daniel Leclerc à Massia, qui est un message conjoint, si vous voulez, d'Ashtar et d'Adonisis. Adonisis étant un peu le chief of staff de l'Ashtar Command, hein, et le grand coordinateur du programme de la lumière dorée. J'ai déjà donné ce message, hein, dans mes vidéos, mais il y a plusieurs années, donc c'est pas mal de le remettre maintenant. Allons-y. Reçu en PSLX par Daniel Leclerc à Massia. Ashtar Sheran, Adonisis, élément clé du programme de la lumière dorée. Les forces pulsantes provenant du programmateur et élaborées par l'onde psycho-cybernétique des synchronisateurs locaux sont valorisées dans le temps et dans les lieux où le Conseil suprême de la Confédération estime opportun par l'action psycho-intérieure d'un élément génétique de polarisation, c'est-à-dire d'un maître extraterrestre. Celui qui porte le nom symbolique d'Ashtar Sheran n'est pas un fils de la race de l'Eldorado, mais un chef saint, c'est-à-dire le sommet psychique d'éléments solaires, lunaires, planétaires appartenant à diverses constellations. Ben, vous voyez que ce n'est pas du tout le style des channeling idiots bidons qui circulent partout, hein. Il faut arriver à suivre. Évidemment, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est du haut de plafond. Là-bas, c'est du caca, là, comme du. Je vois du caca de vache, là. C'est la même chose. Continuons, je reprends. Donc, signé par Adonisis et Ashtar. Alors, c'est Adonisis qui parle d'Ashtar, hein, pour qu'on comprenne bien. On parle d'Ashtar. Adonisis. Sa structure génétique particulière lui permet d'harmoniser à un niveau vibratoire différentes tensions génético-évolutives et différents niveaux d'action planétaire et interplanétaire. La fonction du chef saint est donc de coordonner et de catalyser les différents aspects génético-évolutifs et psycho-spirituels des différents groupes enzymatiques galactiques dont est composée la flotte opérationnelle qu'il coordonne, c'est-à-dire l'Ashtar Command, basiquement. Donc en fait, ça continue ma série sur l'Ashtar Command. Adonisis continue. Ashtar est une individualité de haut niveau pentadimensionnel, cinquième dimension, fonctionnant sur un programme psychosolaire syntonisable sur chacun des 12 rayons manasiques et sur chacun des principaux systèmes génético-enzymatiques dont est entrelacé le patrimoine communautaire de la Confédération interstellaire. Il est à même de polariser son propre atome pensé à l'intérieur de quelques-unes des structures élémentales dans le but de manifester à un niveau inférieur médiumnique des valeurs de communication signées de son propre nom. On fait un commentaire. Hein. On espère que vous avez capté là. Sinon, il va falloir que vous fassiez une petite formation dans ma chaîne Golden Sarcid Report. Vous la retrouvez sur Golden Sarcid 7 sur Odyssey. Et vous allez rechercher les vidéos que j'ai faites sur les faux channelings, la télépathie programmée par des tours et par des fréquences fabriquées par des programmateurs qui se trouvent dans une base de la N, boom, S, boom, A, dans le Maryland, n'est-ce pas? Programmateurs qui reçoivent donc des papiers tout faits, avec des soi-disant messages, et ces programmateurs les mettent en code de fréquence qui pourra être envoyé ensuite, c'est bien expliqué dans mes vidéos, hein, allez les voir, qui pourra être ensuite envoyé par tout moyen, c'est-à-dire par les tours, par les satellites, par le téléphone, par Internet, ce que vous voulez. Les gens vont recevoir donc ces fréquences qui vont être traduites ensuite dans le cerveau par un
Oh ben, il y a Arthur, un message d'Astor dans ma tête, il faut que je vous le donne tout le monde à tout le monde, voilà. Oui, ça vient d'une base du NSA, hein, dans le Maryland. Je l'ai expliqué. Alors, il y en a plus que marre chez Damar de voir des gens qui continuent aujourd'hui à nous balancer sur la toile, sur les réseaux, des faux messages, des messages de faux channeling, parce que le channeling est faux à 95%. Revoyez les vidéos que je viens de vous dire, je vais vous mettre les titres là, si j'arrive à les retrouver. Il y en a marre de voir ça. Vous arrêtez de balancer sur les réseaux des messages soi-disant d'Astor, de l'archange Michael. Il y a même eu récemment un message de Valtor, qui est du bidon complet. Quand vous regardez ce message, c'est du bidon complet. C'est comme les messages d'Astor, avec ceux sous celles qui se sont permis de se dire, ah ben moi je suis Chanel d'Astor, regardez, je vous donne de l'Astor. C'est du bidon complet. D'ailleurs, on voit tout de suite que c'est les gens dans leur tête qui parlent. Ah ben, les événements, alors aujourd'hui sur la planète, alors comme nous sommes nous, là, l'Astor et Valtor, et là, voilà. C'est du bidon complet, il n'y a pas besoin de signer comme ça. Alors, arrêtez de nous bassiner avec ces trucs abominables, oui, comme dans le site, la table ronde. Oui, je vais vous mettre le site, là. Vous allez le voir. Et vous allez voir dedans, le sac de nœuds Nouviège, où il y a 95% de messages qui sont du bidon, 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 bidon complet. C'est du nul grave de chez grave. Et d'ailleurs, vous voyez sur ce site toute la brochette des maîtres ascensionnés. Voilà. Et vous voyez même des portraits de maîtres ascensionnés qui sont tirés directement du travail de la mère Blavatsky, n'est-ce pas ? Qui est une franc-mac-mac-mac de 33e degré, qui a inventé l'affaire des maîtres ascensionnés. Avec tous les noms, tous les noms, tous les noms que vous voulez. C'est complètement différent des vrais contacts des frères de l'espace et d'Astor et d'Onésis, évidemment. Hein? Ah, vous voulez voir un peu qui c'est qui a inventé les maîtres ascensionnés? Ben, je vous la mets après. Regardez la dégaine, la tronche de cette bonne femme. Oh, ça respire la lumière, mais c'est pas possible de voir ça. C'est elle qui a inventé les maîtres ascensionnés, qui ont servi de base au New Age. Et tout le cinéma qu'on a depuis, pas combien, 70 ans maintenant. Mais c'est, regardez la lumière qui émane de cette franc-mac-mac de 33e degré, qui publiait, quand à l'époque où elle avait des soi-disant contacts avec les maîtres ascensionnés, c'est le cas de le dire, qui publiait un magazine qui s'appelait Lucifer. Voilà. Ben oui, c'est comme ça qu'on amène la nouvelle religion mondiale. Hein, parce qu'il y a plein de maîtres ascensionnés là, qui disent, ben voilà, il faut une religion mondiale, voilà, voilà, voilà. Et puis qui va être celui qu'on va adorer? Ben c'est Lucifer. Voilà. Ça va? Alors regardez bien la tronche de cette bonne femme. Hein, que vous voyez c'est les portraits de ces maîtres, de cette bonne femme. Sur ce site-là, Table Ronde. Ah, il y en a marre, hein. Vous nous lâchez complètement, hein. Vous nous oubliez, hein, tous ceux qui mettent ce truc-là de nul grave, hein. Vous arrêtez. On va reprendre, parce que c'est exactement ce qui est expliqué dans le message donc donné par Adonisé sur Astor. Alors, pour qu'on arrête, hein, le délire complet des faux messages, des faux trucs qui sont envoyés par plein de gens, et encore le Brahm, et qui font partie de la matrice numéro 2, c'est-à-dire c'est la matrice à un niveau supérieur de la 3D, mais qui est quand même la quatrième dimension astrale, et c'est une matrice New Age, spirituelle, ésotérique, théosophique et tout ça, voilà. C'est une matrice complète où tout le monde s'est fait engluer complètement dedans, y compris tous les gens qui sont intéressés par les messages des maîtres et les frères de l'espace, etc. Pendant très longtemps, se sont fait engluer dans cette matrice et probablement ils sont encore.
Bon, vous voyez mes autres vidéos, j'explique, on va vouloir mettre un petit pavé que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur cette matrice et comment ça fonctionne pour, avec la psychotronique pour contrôler les gens qui sont dans cette matrice. Nous reprenons donc ici maintenant ce que dit Adonisis sur Ashtar Sheran. Ashtar Sheran désire agrandir son propre rayon sur chaque valeur évolutive de la planète Terre. Mais il n'est pas dans son désir que ces valeurs d'influence médiumnique indirecte soient mentalement exagérées, instrumentalisées dans des buts pas toujours licites, ayant pour conséquence le danger d'une psychose collective et l'introduction de valeurs psycho-médiumniques à vibration involuée. Voilà ce que c'est, le site que je vous ai dit, et tous les salades qu'on reçoit partout. Qu'il soit donc clair que la personnalité solaire d'Ashtar Sheran, ne se manifestera jamais directement à aucun terrestre qui n'orbite déjà au niveau astrogénétique sur le plan des valeurs solaires de la race d'Eldorado. En ce qui concerne ensuite la personnalité extraterrestre bien connue du coordinateur supérieur d'Onisis, il est clair qu'il orbite sur le plan génétique de la tribu de Jean et porte en lui-même le germe fécond qui amena déjà sur la planète Terre la lumière de l'aigle doré du soleil. Alors ceux qui font partie des aigles se reconnaissent, les autres oubliés. Adonisis est un des fils de la lumière dorée les plus évolués qui, avant sa descente sur sa race, c'est le nom de la planète Terre, orbitait déjà sur le plan intermédiaire de la cinquième dimension. Il a suivi et assisté la mission du grand aigle, on repart de la tribu des aigles, et il est le collaborateur direct de celui qui coordonne la programmation de la tribu du soleil, Adonisis donc, actuel auto, mais dont de celui qui incarna le nom de l'aigle et d'autres terminaux vivants, opérateurs contactés, du germe tripolaire d'Eldorado, est à considérer comme sommet de catalysation individuelle des forces directrices qui coordonnent le mouvement du grand clavier du programmateur. Que celui qui n'orbite pas consciemment sur le pôle génétique du programmateur d'Eldorado n'ose donc pas s'arroger le droit d'auto-convaincre sa propre intelligence à un rapport quelconque avec le maître supérieur de Nigis, ni avec Ashtar Sheran. Bon attendeur, salut à tous ceux qui font du faux channeling et qu'ils postent sur des sites nuls comme celui que j'ai mentionné. Captain out. Ben oui, il faut tout éclaircir en ce moment.